Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de mécanique sur un 450 YZF de 2004 que je suis en train de retaper. Allez, c'est parti. Alors en fait, ce vlog n'était pas du tout prévu. Je voulais remonter la moto tranquille dans mon coin et puis je me suis dit bah, pourquoi pas faire une vidéo. J'essaye, on verra bien ce que ça donne. J'ai déjà préparé un peu la moto, j'ai déjà bossé dessus. Je l'ai nettoyé, tout ce qui est roulement de bras oscillant, biellette, j'ai tout regraissé. Il faut que je nettoie le pot et puis après, plus qu'à remonter le moteur et puis au radiateur et bah, aux roues arrière, parce que j'ai graissé un petit peu là. Alors, je viens de me percevoir que sur mon guide chaîne, bah, il était tendu en fait. Et puis, il est cassé. Donc je vais ressouder ça demain. Chaîne récupérée. La petite soudure elle est là. Maintenant on va installer tout ça. J'ai monté le deuxième radiateur qui se trouve ici. Donc la durite, le bloc qui se met sur la pompe à eau. Ensuite, j'ai mis le système d'huile qu'on peut voir ici, car en fait sur ces modèles-là, l'huile passe dans le cadre. Donc par ici et là, elle circule dans le cadre et dans le moteur. Bright lights, big city dreaming. Et bah voilà, la moto elle est remontée, on va pouvoir essayer de la démarrer maintenant. On va mettre un peu d'essence, et puis je vais essayer en direct avec vous. Bon alors j'ai un petit souci en fait. Parce qu'en fait il faut savoir que cette moto je l'ai achetée en pièces. Le moteur il était ouvert et donc du coup je l'ai assemblé. Donc c'est le risque en fait, c'est des petites surprises comme ça. Mais je vais quand même essayer de la démarrer, voir un peu. Oh, c'est pas cool. Ah, t'es trop beau. Alors voilà, c'est ma première vidéo où je parle, où je vous explique les choses, où je fais un peu de mécanique. Donc dites-moi si vous voulez que je continue, si vous voulez voir démarrer cette moto. Et puis gaz, hein.